Et yap, tout le monde, c'est comme d'habitude, petit taureau. Moi, je vais très bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, car aujourd'hui, on fait un peu de l'ouverture. Voilà, donc pas de cartes Pokémon, mais comme vous pouvez le constater, d'un pack Skylanders Imaginator. Parce que voilà, tout simplement, comme vous pouvez le constater, le jeu est sorti. Donc, il doit y avoir je sais plus combien de temps. Bon, ça fait déjà un bon moment. Et que bah, moi-même, je ne l'ai pas encore acheté. Et du coup, aujourd'hui, je l'ai enfin acheté car il était en promo. Genre à peu près 5€. Donc vous allez vous dire, je sais pas quoi. Mais à mon avis, c'est parce que aussi, c'était les fins de stock. Donc voilà, parce qu'il n'y en avait plus du tout. Il en restait deux. Donc là, l'un des deux, c'était lui. Et du coup, il a commencé à prendre la poussière. Vous voyez un petit peu de poussière au-dessus. Parce que bah, je viens de l'acheter aujourd'hui. Mais à mon avis, vu que c'était les fins de stock, enfin, vous m'avez compris. Du coup, voilà. Et bah là tout simplement on va faire l'ouverture, donc pour ceux qui connaissent pas, donc voilà c'est Imaginators, donc ça veut dire qu'il y a donc deux figurines, donc voilà notre starter pack, donc nous avons Master Kingpin, donc d'ailleurs la one Master Kingpin est fait par Maître Gims pour ceux qui veulent savoir, il y a Golden Queen aussi, donc voilà, donc c'est deux géants, un truc comme ça je sais plus, non je crois que c'était des ninjas, ou enfin des sensei, donc comme ça. Et en plus on a ça, on a une création cristal, donc ça après je vais vous expliquer ce que c'est. De toute façon, de plus près, on va aller s'ouvrir. Je suis très pressée. Il y a même le jeu, évidemment. Hein. Faut pas se foutre de la gueule des gens. Hein. Et du coup, voilà. Donc, je vais ouvrir ça avec mon petit couteau. Là, là. Voilà le couteau un peu des familles, on va dire. Et du coup, c'est parti. A tout de suite après l'ouverture. Voilà, les amis, voilà. Après longues attentes, voilà, j'ai envie de dire. Enfin, vous avez pas très attendu. Effectivement, je me suis fait chier à déballer ces fiens de. Ils sont très belles, effectivement. Mais. Dû enlever de leur boîte. Voilà, je vais tout ça vous dire. Je vais tout ça vous dire. Pareil pour. Oh bah putain, le plus que j'en ai chié, c'est surtout le truc là. Ouais, bon, on va m'insulter. Le cristal là, voilà, pour créer son personnage. Donc voilà, c'est un cristal le feu, comme j'aurais vu dans le petit papier. Et du coup, voilà. Donc un cristal feu, donc ça veut dire qu'on pourra créer un. Tout simplement un Skylanders de feu, mais après on pourra choisir si on voudra qu'il soit de la magie, etc. Mais en tout cas, c'est du feu. Voilà. C'est bien, on pourra quand même choisir le Sensei. Hein. Imaginez, ils nous ont remis eux-mêmes. Si on veut pas Sensei par exemple, ça aurait été dommage. C'est pour ça, Creators en fait, on a envie de dire. Voilà. Et du coup, franchement, très belle figurine. Alors, faut, je vous jure par contre. Ils sont largement plus lourds pardon, que les autres Skylanders voilà, que j'avais. Donc j'ai les Skylanders de Trap Team, les Skylanders de Giant, et c'est tout. Là c'est mon troisième jeu de Skylanders, voilà, pour regarder, tenez. De toute façon vous pouvez les voir là, c'est très belle. Après avec tout simplement. Oula oh, ils ont rien eu les figurines, hein, ça va. Ils sont quand même belles, toujours belles. Voilà, quand je vous l'ai montré, elle est là. Très très belle figurine, franchement. L'une de mes meilleures, entre les deux, je trouve, je la trouve plus classe. Voilà. Et par contre, le cristal, j'avoue, il a son côté charme, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Et la boîte de jeu, donc 9. Donc c'est pour 5€, franchement, ça vaut le coup. Même c'est donné, j'ai envie de dire. Franchement, effectivement, c'est donné. Enfin ouais, il y a l'arrière de la boîte, on vous en foutez, on va le dire aussi. Mais ça c'est normal, hein, si vous voyez à l'envers, c'est parce qu'il est à l'envers aussi, j'ai la flemme de... Voilà. Là, il est pas à l'envers. Et oui, effectivement, je vous l'ai peut-être pas dit, mais... Et bah c'est sur PS4, voilà, c'est un pack PS4. Il y avait un pack Nintendo Switch, je trouve que je l'aurai, oui effectivement, donc ça veut dire dès que je l'aurai les amis, je vous ferai un unboxing. Et en plus de ça, après avoir la Nintendo Switch, il y a une console que j'attends vraiment, parce que voilà, je vais peut-être la voir, mais je pense que oui. Mais celle-là même, je la veux plus que la Switch, c'est la PS3 jailbreak, je vous jure, et là, on va commencer les trolls sur notre chaîne les gars. Je ferai une vidéo directe dessus, peut-être pas une unboxing, parce que voilà, mais au moins présentation, voilà, de la PS3. Mais pas de boxing parce qu'une PS3, bon voilà, vous en avez vu plein dans votre vie. Mais là, il y a une Switch sur les unboxing, mais pas sûr pour la PS3. Jailbreak, voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Les petites infos, en même temps, c'est ma chaîne, j'ai intérêt à faire des infos. Sinon, vous serez jamais au courant. Mais de toute façon, ce sera la surprise parce que je vous dis pas. De toute façon, je vous dirai peut-être dans le commentaire, en description du coup de ma vidéo de ma PS3 Jailbreak d'ailleurs, qui n'est pas maintenant. Hein.
Actuellement, je l'aurai dans à peu près 2 mois. Et bah que tout simplement sur quel site je serais allée. C'est un site fiable, il y a plein de youtubeurs qui me l'ont conseillé et notamment plein de gens qui l'ont acheté sur ce site. Voilà, voilà, les infos sont terminées. Donc du coup je vous montre voilà le superbe truc. Le superbe truc, effectivement, non, il est très beau. Après je vous montrerai pas l'embranchement, là c'est juste le unboxing. Je ferai évidemment un gameplay, voilà, notamment si j'en ai envie. Voilà, parce que si j'en ai pas envie, ben j'en ai pas envie. Logique. Et du coup nous avons aussi un paquet avec ok, donc il y a le poster, il y a tous les machins bidule chouette, voilà les expressions, j'ai envie de dire. Ça c'est les autocollants je crois, désolé si c'est chiant, on se retrouve après hein. Franchement les amis, donc voilà, franchement c'est tellement bien ça, c'est genre les petits autocollants que vous pouvez après placer justement sur ça, là, voilà, comme vous pouvez voir, le petit totem, enfin moi j'appelle ça un totem. Du coup passons là au dépliement de poster, qui d'ailleurs va arriver dans ma chambre, parce que j'ai bien eu le poster de Giant. Après Trapsim, je crois que j'ai pas mis mon... mais je crois pas en fait, j'avais le pack, mais je crois pas l'avoir mis encore. D'ailleurs je sais même plus, enfin bref. Souvenir. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ça nous montre vraiment tout. C'est très beau. Et m'attendais à plus de monde, hein, franchement, parce que là. Ah oui, c'est vrai. Il y a Wolfgang, donc c'est-à-dire Crash Bandicoot. L'un des. Comment dire, l'un des plus gros succès, justement, hein, des joueurs, etc. Parce que ça a été. Schwarz qui aimait bien Crash Bandicoot, évidemment. Ils ont aimé, du coup, ceux qui aimaient aussi Imaginator, enfin les Skylanders, etc. Voilà. Et bah, moi perso aussi, je la veux bien. Parce que voilà, moi aussi, je connais bien Crash Bandicoot et je l'avais bien aimé. Voilà. Enfin, bref! Voilà. Ce que j'avais à dire pour ma défense. Bon, franchement, après, je sais plus comment faire. Je me sens bien bête là, tout d'un coup. Ça me saoule, de toute façon je vais l'accrocher, qu'est-ce que je fous moi. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Attends, ouais, là, elle va durer 10 000 ans, hein. Je vous jure que c'est un truc. Ouais mais en plus à chaque fois elle tombe la tablette, parce que oui évidemment c'est un iPad, voilà, une tablette, un iPad. Et voilà, elle tombe tous les 2 minutes hein, j'ai envie de dire. Bah, après je sais pas si je peux couper ça en montage, j'espère bien. Et voilà. Ouais, bon, par contre, je suis à peine de casser les couilles aussi, là, le reste, là, ça. Voilà. C'est beaucoup plus propre, quand même, on a envie de dire. Magnifique. Ouais, bof. Enfin, bref. Moi, je vais vous laisser là-dessus, après, les putains de conneries, je fous. Ouais. Du coup, je vais vous laisser là-dessus, les amis, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui arriveront sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, donc qui est très spéciale, parce que bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ouverture, même j'en ai jamais fait en fait, je veux dire sur des grosses boîtes, genre c'était des decks, etc. Enfin bref, voilà. Donc comme on dit, le changement c'est maintenant. Donc du coup, moi je vais vous laisser là-dessus, voilà. Donc bah, bisous et à plus. Donc voilà quelques images que j'ai oublié de vous montrer sur tous les figurines. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. À plus !